dans le livre qui parle de vivre, lit entre les lignes, c'est drôle de si. Le projet Lire dans l'autobus est venu du fait que nos élèves sportifs nous disaient souvent qu'ils n'avaient pas le temps de lire. Alors, l'idée a germé qu'il fallait leur donner l'occasion, leur donner le temps et leur donner le goût de lire par plaisir. En réfléchissant, je me suis rendu compte que ces élèves se déplaçaient souvent pour aller à des compétitions en dehors du séminaire. On s'est dit, bien, les élèves s'en vont en autobus pour aller à des compétitions sportives. Alors, on s'est dit, bien, souvent, il y a une petite perte de temps dans l'autobus. Alors, pourquoi pas profiter de ce temps-là pour lire un peu? Quand M. Julien nous a parlé de son projet au Conseil de vie étudiante, on a été d'abord très surpris parce que c'était la première fois que quelqu'un, à partir de la lecture, d'un programme de lecture, qui nous proposait de lire dans un autobus scolaire. On a choisi un certain nombre de livres, bandes dessinées, périodiques. On a mis aussi des documentaires, des romans. On a essayé de trouver des livres qui intéressaient les élèves sportifs. Alors, on a mis ces livres dans des bacs et on a apporté des bacs dans l'autobus. Il n'y avait aucune obligation là-dedans. Alors, ceux qui voulaient lire, ils pouvaient lire. Ceux que ça ne leur tentait pas, ne lisaient pas. Puis, c'était très, très, très décontracté. Alors, puis même après, j'en ai parlé un petit peu avec eux, puis ils avaient beaucoup aimé l'expérience. Ils ont été surpris de nous voir arriver avec nos boîtes de livres, mais ils ont embarqué très, très, très spontanément. On a pris un autobus pour aller à notre match comme d'habitude, mais on a lu des livres dans l'autobus au lieu de rien faire. Et je trouve que c'était une bonne idée, là, tu sais, ça nous encourageait à lire. J'ai lu des livres dans la vie de tous les jours, là, mais pas beaucoup, puis je trouvais que c'était le fun, là, l'activité qu'on nous a présentée. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. C'était amusant parce que on avait la chance, dans le fond, de lire à place de rien faire dans l'autobus. Il faut que la bibliothèque sorte de ses murs. Il faut aller vers le lecteur. Le but de l'activité, c'est vous donner le goût de lire et lire pour le plaisir. On ne veut rien obliger. On veut que vous ayez du plaisir à lire parce que la lecture, c'est supposé de nous rendre heureux. Ce qui me rend le plus fier, c'est l'originalité du projet. Quelle belle idée! Et puis, les gens vont pouvoir constater par eux-mêmes qu'avec le sport, on peut développer la culture. Penche-tu dire que l'amour bourgeonne?